Donc là, je suis avec mon assistant. Ça dit quoi? Dis-moi, on est où là? Là, on est à Nantes. Voilà, après la victoire. Après la victoire de la Coupe de France. Bon, ça remonte quand même il y a 2 semaines maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Ah, c'est pas grave, on va interroger les gens sur ce qu'ils en pensent. Et voilà, c'est parti. Hein. Je pense que là, tu peux essayer. Stop, monsieur, monsieur, bonjour. Excusez-moi, je peux vous embêter 2 minutes? Ah, je peux pas du tout. Ah, dommage. Ah là là, toujours en recherche. C'est compliqué, hein? Ah ouais, cadeau. De fou. Où est le meilleur endroit pour chercher assistant? Après, si on va à commerce, il va y avoir trop de monde. Ça va commerce, trop de monde? Ah, je pense. Hein. Ok, bah c'est on va pas aller à commerce alors. Attends, les deux gars là, je le reconnais, il a déjà participé, il est là. Salut. Moi, je veux qu'il nous dise un mot pour le FC Nantes. Comment tu vas? Ça va? Ça va, tranquille, bah, et toi? Cette finale, on l'a gagnée. Dis-moi. Tu l'as regardé où le match? C'était comment, l'ambiance, tout? Bah, moi, je vais te dire, franc, j'ai pas voulu aller au. Toi, je me suis pas pris la tête, je me suis mis dans un petit bar à chicha. Je l'ai regardé tranquille. Ok. Mais j'avais fait un petit pari. Donc toi, j'étais plus concentré sur mon pari que sur le match. Voilà. Mais en tout cas, ils m'ont fait gagner mon pari. C'est ça qui est bien. Ils m'ont fait gagner 450 euros. Merci Nantes. Oh là là, tu t'es mis bien. Impeccable. Mais j'ai une autre question pour toi parce que là, c'est le dernier match de la saison face à l'AS Saint-Etienne qui est avant-dernier. Tu sais que si le FC Nantes bat l'AS Saint-Etienne, tu sais que vous les condamnez en Ligue 2. Ouais. Est-ce que tu sais la victoire du FC Nantes? Si c'est ici, c'est qu'on va gagner, c'est sûr. Donc il faut les condamner. Il faut les condamner et on va gagner. Parce que cet été, on va avoir quoi comme match? On va rien avoir du tout parce que la Coupe du Monde, c'est au mois de décembre. Ouais. Europa League, ça se finit là. Ouais. Plus de match de Ligue 1, on n'aura rien du tout. Donc ils vont clôturer cette saison avec une victoire de fou. Aïe, 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 et tu condamnes la SAP. Exactement. Alors un petit mot pour les supporters stéphanois, s'il te plaît. Bonne route et de toute façon, vous pouvez venir. Vous savez que vous allez repartir la tête baissée parce que vous allez perdre. Ouh là là. Bah écoute, moi je te remercie. Provocation. Matt. Mais c'est pas une provocation, c'est une affirmation. Vous. Alors. Petit nouveau. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Mais toi t'es déjà passé, on t'a déjà vu. Bah ouais, voilà, moi c'est Sacha. Ça va, tu vois. T'en as pensé quoi là? C'était quoi l'ambiance? On a gagné. Un truc de folie. Et moi j'étais à Saint-Philbert de Grandlieu à côté de Nantes. J'ai un pote à moi, j'étais avec son daron. On s'est pété le crâne, c'était incroyable. Et là, il y a des supportrices du FC Nantes. Oui, elles sont là. Ça va les filles? Oui. Alors, vous en avez pensé quoi de la victoire? Vous étiez où? Vous avez vu le match où? L'ambiance, tout? Racontez-moi. Moi, j'étais à la fan zone. Et du coup, il y avait plein de gens. Et c'était une bonne ambiance. Il y avait des feux d'artifice. Ouais. Ça, c'était cool. Et il y avait des... Ça fait comment en français? Des fumigènes. Ouais, fumigènes. Mais t'es pas française? Non, je suis écossaise. Écossaise, d'accord, mais tu parles très bien français. Ça fait combien de temps que t'es ici? Longtemps, mais c'est ce que j'ai des bugs des fois. Ok, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler justement de la victoire du et FC Nantes. C'était exceptionnel, c'était pas mal, tout le monde était content. Ouais. Ça chantait partout, ça se poussait un peu, mais c'était marrant. Ok, t'as aimé l'ambiance du coup? Ouais, grave. Oh là là, t'as crié aussi? Oui. Ok. Moi, je suis des potes quoi, genre. Ok, ok, bah en tout cas, je vous remercie les filles. Vous allez faire quoi, la disquette, c'est ça? On va manger. Là, on va manger. Ok. Ouais. Bah, bon appétit à vous. Mais il est 15h. Ouais, mais on est en retard. On a soirée hier. Bah, elles ont fait disquette, t'es bizarre, toi. En tout cas, bon appétit, les filles. Je vous remercie. Merci. Et bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ah, on a trouvé deux nouvelles cibles. Non, ils sont trois. Ah, mais je cours ou pas? Ouais, vas-y. Texte que t'as appris. Donc là, on a un gars qui n'est pas supporter nantais, mais c'est un rappeur. Ouais, il va nous, voilà, un il va nous faire là. Un petit freestyle. Il va nous faire un petit freestyle. Vas-y, là. Ton instant promo. Ouais, on a le temps, t'inquiète pas. Quoi, ton nom de scène? Ton nom de rappeur? C'est l'autre, il a dit, oh, passé sur Insta. Toi. Ouais, c'est lui, c'est lui. La tête, j'ai vu passer, l'année dernière même. Ouais, y'a pas. Oh, la vie de ma mère, je l'ai vu passer. Aïe, 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 il le connaît. Son premier fan, il est là. Là, ce qui se passe, c'est qu'il cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche en fait l'instrumental pour faire le freestyle. Il roule sa gado là. Sa nouvelle cible. Monsieur, monsieur. Bonjour, excusez-moi. On fait une petite interview pour le FC Nantes. Je suis désolé, je regarde. Ouais, ça va. Comment tu t'appelles? Valentin. Ok, donc je vais te parler, tu vois, il y a eu la finale entre Nice et Nantes. Ouais. Donc on a gagné. Ouais, je crois. On les a broyé sa mère. Ouais, le match était pas très beau, mais ouais, on a gagné. Ouais, ok. Voilà, après on va te parler aussi du match contre Rennes. Non mais attends, oh, tu vas trop vite là-haut. Moi je veux savoir déjà comment t'as vécu le titre. Ah, c'était incroyable. J'étais interviewé par RMC à la radio, à la Place Royale là, sur la statue et tout. Ok. Pour l'ambiance, c'était incroyable en vrai. Mais on va espérer l'année prochaine, il n'y a pas trop de joueurs quoi. Mais c'était incroyable. Et qui tu ne voudrais pas voir partir du coup? Quel joueur il faut absolument garder? Bah Kulo, c'est déjà trop tard. Ok. Et surtout Lafond et Blas. Gagner contre le Stade Rennais. Ouais, j'ai vu. Donc qu'est-ce que t'en penses? Parle-nous de ça. Bah du moment qu'on gagne contre le Stade Rennais, moi je suis content. Vous les avez ralentis pour la course à la Ligue des Champions. Ouais, vous peut-être jouer la Ligue Europa avec vous, hein, qui sait?
Je sais même pas si c'est encore possible, bah j'espère, du moins qu'ils jouent pas avec des champions, on est content. Du coup là, demain soir, il y a Nantes-Saint-Etienne, ouais. À la Beaujoire. Ouais. Ton pronostic sur le match? Vu qu'ils jouent le maintien, en vrai, ça risque d'être compliqué. Mais après, Cambori, il a dit qu'il voulait ses 57 points, donc il va mettre les petits types, en vrai, je dirais 2-1. Ouh là là, mais tu sais que, sachant que les Stéphanois ils sont avant-derniers, tu sais que la victoire du FC Nantes, ça les condamnerait en Ligue 2. Ouais, je sais, mais je pense on est dans une bonne forme, eux dans une mauvaise, donc on va espérer la victoire de Nantes. Ah là là, donc Saint-Etienne en Ligue 2, c'est ça? Ouais, avec Bordeaux aussi. Ok. J'espère. Alors un petit mot pour les supporters Stéphanois alors. Bah, c'est un grand club, mais c'est fini, quoi. Oh ouais. Bah, je te remercie. Ok, pas de soucis. Ah là 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 là. T'as ton téléphone? Ouais. Connect, vite fait. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Demande-leur. Salut les gars, ça va? Petite question sur le FC Nantes, vous êtes chaud? T'as vu qu'on a gagné la finale entre Nice et Nantes. Qu'est-ce que tu penses du match? Parle-nous de tes sensations. Bah, en vrai, c'était 20... Oh putain, j'ai bug et tout, il y a le stress et tout. En vrai, c'était fou. Mais pourquoi t'es stressé? Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de caméra, qu'est-ce que tu racontes? Au début, je pensais qu'ils allaient perdre, mais je pense qu'ils ont quand même, ils ont quand même bien remonté, c'était cool. T'as pensé qu'ils allaient perdre? Au début, ouais. Oh là là. Au début, franchement, je pensais qu'ils allaient perdre et franchement, ils ont grave bien géré la remontada. C'était pas mal. La remontada, mais face à qui on parle de quoi là en fait? Bah, sur le match du FC Nantes. Face à qui? Face au Nice. Il n'y a pas eu de remontada parce qu'il y a eu 1-0. Bah, au début, franchement, ça jouait mal, je trouvais. Ok. Et après, ils se sont quand même énervés, etc. Après, bon, ça a été calme. Je trouve que le match, ils sont pas donnés à fond quand même. Non, j'ai compris en fait, ils ont eu du mal à rentrer dans le voilà, match, c'est ça que tu veux c'est dire. C'est ça, ouais, voilà. Qui c'est cette bande là? Qui c'est cette bande? C'est qui eux? Chacha, tu me les présentes? Là, c'est tous mes gars là. Tous. Tous tes gars? Vous êtes chaud à faire interviewer là? Pour la saison. Maël, c'est parti? Vas-y. Non, cousin. T'as regardé le match de la finale? Ouais. Ouais, t'en as pensé quoi? Donne-moi tes sensations, tout ce que tu peux dire. Bah, en vrai, c'était bien. En vrai, il y a mieux comme match. Ça n'a pas été le match du siècle en vrai. Ça fait chier, hein, c'est ça que tu veux dire? Bah, il n'y a pas eu trop d'action quoi. Ok. Ça n'a pas été exceptionnel. Mais en vrai, bah, content qu'on ait gagné. Le ouais. Dernier match? Demain soir. Ah oui, c'est vrai. Demain soir face à Lille Saint-Etienne. J'étais censé y aller avec lui, là, avec Alexis. Mais finalement, plus de place. Et même si c'était trop cher. Ouais, c'est cher. Bah, moi, j'y vais, hein. Tu l'avais ma place? Hein? J'y vais, moi, tu veux ma place? Bah, combien? Je sais pas, tu es prêt à mettre combien toi? 20 euros. Ah là là, tu vas regarder ça à la télé, je suis désolé. Du coup, oui, je connais un pote, il est juste en face, là, à côté, là. Il connaît bien le FC Nantes, il voulait aller lui parler. Mais est-ce que t'es sûr qu'il connaît bien le FC Nantes? Oui. On y va ensemble alors? Ouais, on y va. Allons-y. Là, là, on a retrouvé James. James, c'est son collègue. Oui. Putain. Bon, du coup, on va parler déjà de la finale de la Coupe de France. Du coup, donne-nous tes impressions sur le match, tes sensations, ce que t'en penses. Bah, déjà, la victoire, elle est méritée, je trouve. On a fait une très bonne première mi-temps. Et la deuxième, bah, le pénalty, on l'a marqué, quoi. Ça fait quand même un petit peu chier, non? Bon. Entre nous. De marquer sur un pénalty? Non, sur le match. C'était pas un match sensationnel. C'était pas le match non, de l'année. C'était pas un grand match, mais la victoire est là. C'est ce qu'on va retenir, tu la victoire. Retenir. Ouais, exactement. Aussi, on a gagné contre Rennes. Ouais. Donc pareil, donne-moi tes impressions, tes sensations. Le but de Payot est magnifique. Mais du coup, vous avez plus apprécié la victoire face au Stade Rennais ou face à l'OGC Nice? Face à Nice. Face à Nice, hein. Parce qu'il y a un trophée, ouais. Derrière. Puis on va jouer l'Europa League. Je dirais Rennes parce que c'est le derby. De France, non. Mais Nantes-Nice, c'était le match à pas perdre. Donc on l'a gagné, c'est ce qu'il fallait. Ah, mais on dit pas souvent contre Rennes. Nous, on veut parler du prochain match. Face à l'AS Saint-Etienne de demain. Ouais. Moi je dis si on peut gagner foot Saint-Etienne en Ligue 2, on les met en Ligue 2. Mais toi t'es sans pitié toi en fait. Ah je suis sans pitié, Saint-Etienne, je prends pas les couilles. Et un petit message alors pour les supporters stéphanois. Ben bon courage à vous. C'est tout. Et Bordeaux en Ligue 2. Et Bordeaux en Ligue 2, voilà. Ouais, c'est parti. Ouais, bon déjà, t'as vu qu'on a gagné la finale de la Coupe de France. Ça, c'était très beau. Qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi tes sensations. Ça c'était hyper cool, parce que vraiment t'avais l'ambiance dans tout Nantes. Tout le monde l'avait, tout le week-end, c'était incroyable pour le coup. Même si je suis pas du tout dans le foot, juste l'ambiance était incroyable. Les bars, bon, y a plus de place dans les bars, mais c'était quand même très très cool. Rien que pour l'ambiance, j'ai kiffé. Bien sûr que oui. Puis fierté aussi pour Nantes, hein. Franchement, fierté pour Nantes. Ouais, ça, dis-moi. Moi j'ai mangé haricots avec du bœuf. C'était bon? C'était... à la pépite. Tu me feras goûter un jour?
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oh, t'as pas l'air sincère, toi. Tu viens de Paris. Ok, donc c'est chaud. Si tu viens à Nantes. Ouais. Mais je reviendrai à Nantes, je crois que c'est la première fois que je vais essayer, moi. Bah vas-y. Ah là 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 là. T'as ton téléphone. Ouais. Connect vite fait. Bref, t'as regardé la finale Nantes-Nice. Ouais, t'en penses quoi, tes impressions, tes sensations? Bah franchement, je pense que c'était un beau match. Et qu'au final, on a gagné, et c'est le plus important. Demain soir, il y a Saint-Etienne-Nantes. Ouais. Ton pronostic, ce que t'en penses, tout. Mon pronostic 1-0 Saint-Etienne. Non, mon pronostic 2-1 pour Nantes. Saint-Etienne, c'est qu'ils sont avant-dernier. Ouais. Tu sais que la victoire du FC Nantes condamnerait la Saint-Etienne à la Ligue 2. Ça, c'est pas mon problème, ça. Ça te fait ni chaud ni froid, sans pitié. C'est pas mon problème, ça. Non, c'est mieux, je le refais en direct. Sinon, on revient demain, les gars. Ouais. Non, mais en fait, on a commencé une séquence, ça n'a pas été enregistré, mais il va recommencer parce que c'est un professionnel. Alors, bon, t'es oui, t'es professionnel. Bah, moi, je trouve que Nantes a bien monté. Franchement, chapeau, parce que depuis aussi, depuis Salah aussi, ça rend hommage, je trouve, aussi à tout ce qui s'est passé en avant. Moi, franchement, elle a bien monté. Je suis pas de Nantes, mais en tout cas, vive Nantes. D'accord, mais t'es pas de Nantes, tu es d'où alors? Tunisie. Tu es de la Tunisie? Ouais, italien-tunisien. Ça fait combien de temps que t'es ici? Ça fait 5 ans. 5 ans, t'aimes bien Nantes? Ouais, franchement, super cool ville, très accueillante. Ok. Des fois, il y a des. On va en parler, ça. Des barjots. Mais c'est bien, on vit bien. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Et Nantes, vous inquiétez pas, ça va cartonner. Ça va cartonner, je pense que ça va cartonner. Ok, et bah je te remercie. On le remercie quand même. Ouais, merci à toi. Ouais, la Tunisie, les gars. La Tunisie, Algérie, Maroc. Ouais, mais l'Algérie, ils sont pas en Coupe du Monde aussi. C'est pas grave, on est tous pareils, on est tous des Arabes. Vous n'êtes pas concentrés. Là, je vois les deux derniers. Axel, du coup. Axel, c'est lui, hein. C'est pas moi. Les deux prochaines cibles, tu peux aller courir. Vas-y. Regardez comment il court. Regardez. Un supporter énervé, je sais pas ce qu'il a. Pourquoi t'es énervé? Il attend pour se faire couper les cheveux, il est pas content. On parlait de la finale de la Coupe de France. T'as vu Nantes a gagné. Qu'est-ce que t'as pensé du match, l'ambiance, tes impressions? C'est ça. 46ème minute. T'as vu comment on les supporte? T'es un vrai, toi. Quoi, qu'est-ce que j'allais passer? Ah, ils ont fait le boulot, ils ont gagné. Ils ont fait le boulot, ils ont gagné, c'est ça le plus important. Après, il y a eu le match contre Rennes aussi. Non, mais attends, mais tu vas trop vite. Est-ce que tu as célébré la victoire? Non, j'étais chez moi, avec ma petite chicha. Ouais. J'étais chez moi, trop à la, à la cool. À la cool. Mais t'as regardé le match? À la cool. Ouais, je l'ai. Bah, bien sûr, si je te dis but à la 46ème minute. M'agresse pas, je pose juste une question. Ah oui, bien peut-être sûr, que t'as vu un résumé, je sais pas. Non, j'ai vu le match complet. Ok, en tout cas, t'étais content. Bien sûr. Vas-y, enchaîne alors, Maël. Ok, pareil, le match contre Rennes, on a gagné. Tes impressions, ce que t'en penses, tes sensations? Est-ce qu'il a regardé le match d'abord? Ouais, est-ce que t'as regardé le match même? Pour pas être un menteur, j'ai vu le résumé de ce match. Ah, tu vois? T'as vu, j'ai vu le résumé. Le mercredi, c'est ça, hein, le match, hein, le mercredi. Exactement. Et ils ont gagné combien déjà? 2-1, c'est ça? 2-1, exactement. 2-1, ouais, c'est ça. Palois qui a marqué premier but et tout. Je crois le deuxième. Non, ouais, mais t'as vu, t'as pas suivi, c'est son premier but de cette année. Ah, son premier but! Mais je t'apprends! Oui, mais sans précis aussi! Je t'apprends! Moi, je pensais que tu me disais le premier but du match! Le premier but de cette année! Ok, championnat! Ouais, vas-y! Face à l'AS Saint-Etienne! L'AS Saint-Etienne qui est avant-dernier! Ouais, franchement, je te dis la vérité! Ouais, laissez-leur la victoire! Comme ça, Inch'Allah, ils descendent pas en Ligue 2. Voilà. La victoire. Nous, on va en Europa League, nous, on s'en fout, nous! Ok! Tu comprends ce que je veux dire? Laissez-leur la victoire, c'est pas grave! Ouais! C'est rien! Eh bah écoute, ça c'est le mot de la fin et c'est gentil pour les supporters stéphanois. Bah voilà. Ça reste un grand club de Ligue 1. Exactement. Ça serait malheureux de les voir en Ligue 2 quand même. Ouais, franchement. C'est triste. Hein. Non mais c'est vrai. Non mais moi je suis sérieux aussi. Ouais, en vrai ce serait triste. Hein. Et c'est pour ça que je pose la question. Mais s'ils gagnent, ils ont une chance de rester, c'est ça, hein. J'ai pas. Exactement, c'est exactement ouais, c'est ça. C'est ça. Non, franchement, les Nantes, oui, ils ont un bon cœur normalement. Eh bah tu vois, t'as commencé fâché et t'as fini de bon cœur. Ils ont repéré de nouvelles cibles. Voilà, donc déjà, on a gagné la Coupe de France. Qu'est-ce que t'en penses, tes impressions sur le match de Nantes, tout ça, les performances? Cette année, on a eu des bons joueurs. Attends, Maël, viens le micro. De quoi? Ah, pardon. Les impressions sur les matchs? Il y avait un gros collectif cette année. Tous les joueurs étaient tous motivés. On sentait même qu'il y avait un engouement tout autour de la ville. Et on pouvait pas la perdre cette année.
tout le monde était trop motivé. Impossible. Là en ce moment on est juste intouchable, il n'y a personne qui peut nous battre. Contre Lyon on gagne tout, enfin on perd mais on surdomine. On est sur un petit nuage. Et maintenant on attend la Ligue Europa l'année prochaine. Alors avant de parler de la Ligue Europa, il y a le dernier match du championnat face à l'AS Saint-Etienne, qui est avant-dernier. On va les foutre en Ligue 2. Vous allez les foutre en Ligue 2 et toi t'es fier. Ah oui. Un petit message pour les supporters stéphanois là. A bientôt. Bonne remontée. Bonne remontée. Bon, au moins tu leur souhaites la remontée. Oui, oui, bien sûr. Comme Bordeaux. Il a tout dit ? Ouais, mais nous on veut que tu dises les mêmes choses avec tes mots. Avec mes mots ? Avec tes mots. Jack, qu'est-ce que t'as pensé de la finale ? La finale déjà ? Moi, la finale déjà, je l'ai vécu à la fan zone à Foch Cathédrale. Ok. Franchement, c'était incroyable et même si je suis pas forcément un très grand supporter de Nantes, comme je fais partie de la ville, j'ai l'impression que tout le monde était à fond dedans et que. Franchement, petit et grand, il n'y avait pas de galère et tout le monde était à fond derrière. Et c'était magnifique, même après la soirée en centre-ville, Place Royale et tout, c'était incroyable. On est d'accord que le football, c'est le meilleur sport du monde. Alors moi qui pratique le football en plus, c'est le meilleur sport du monde et de loin. Tu vois, demain soir, on joue contre Saint-Etienne. Qu'est-ce que t'en penses, sachant que s'ils perdent, c'est Ligue 2 pour eux ? En vrai, c'est un peu difficile de faire descendre un club aussi historique en Ligue 2, mais s'ils ont pas fait ce qu'il fallait cette saison, c'est tout. Et... Enfin, si leur place elle est en Ligue 2, ils sont en Ligue 2 et on espère pour eux qu'ils vont remonter. Hein. Ok. Très bien, parfait. Et un petit mot pour les supporters stéphanois. Vous avez une bonne ambiance, mais les gars, le foot, c'est pas trop ça. Attendez, il écrit son texte. Le dernier match, c'est face à l'AS Saint-Etienne qui est avant-dernier. Bah, il faut les faire descendre. Voilà, une victoire. Bah, si. T'as compris? Si on fait descendre Bordeaux et Saint-Etienne dans la même saison, c'est parfait. Mais c'est terrible pour le football français, non ? On met un 5-3 à Bordeaux, une petite victoire. C'est pas terrible pour le football français quand même ? Si, c'est chaud. C'est chaud quand même, c'est un club historique. C'est deux clubs historiques. Surtout Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est trop Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont marqué l'histoire du foot français. Bah ton collègue, il en a rien à faire. Il en a rien à faire, ton collègue. Maël, qu'est-ce qui se passe ? T'es venu m'interrompre. Qu'est-ce qui se passe alors que j'étais en train de discuter ? J'ai fait une trouvaille. Quelle trouvaille tu as fait ? Comment je t'appelle ? On l'appelle Ilan, puis oui sur les réseaux, tu connais. Je fais ça plus normal. T'es là pour parler du FC Nantes. Ouais, ça je sais, ils m'ont dit. T'es supporter ? Un peu quand même, j'ai regardé les matchs. Il est où ton maillot ? Waouh ! Je l'ai pas. T'as pas ton maillot ? Je l'ai rangé. Mais il est à la maison, on est d'accord ? À la maison. Ok, très bien, on peut commencer là. Ludovic Blas. Ludovic Blas ? Ah oui. Ok, ça peut commencer alors. Je te demandais si t'as vu le match, si t'es content, tes sensations, tout ce que t'en penses. Alors, 2-1, j'étais à la fan zone, ça s'est passé. Il y a des potes à moi, ils étaient au Stade de France, j'ai vu des snaps, des trucs comme ça, c'était une dinguerie. Et franchement, le penalty, on peut en parler parce que je sais pas s'il était mérité à ce point. Parce que, ouf! Parce que j'ai vu la main de ça, je me dis, il a quand même tiré direct, ça, je me dis, c'est chaud, mais il aurait dû coller sa main contre le corps. Moi, je pense, le penalty, on a gagné, franchement, je suis content. Rien d'autre à dire, hein. Franchement, bon match. Ok, parfait. Deuxième question, je vais te demander ce que t'en as pensé aussi du match de Nantes contre Rennes. Pareil, tes sensations, ce que t'en as pensé, tout ça. Franchement, bon match, comme d'habitude. De toute façon, moi, je kiffe Nantes, tu vois, je vais le dire. Et après, Balois, là, il a mis un vrai truc. Balois, il est grand comme as, le tonton, c'est le boss, franchement. Et c'est qui est monté là en Ligue 2 ? La balle, non ? C'est pas la balle qui est montée ? On va couper, c'est mort. C'est Toulouse. TFC, Toulouse. Toulouse et Ajaccio. Toulouse, waouh, oui, je suis con. Bah, en vrai. T'es pas con, t'es juste mal informé. Ouais. Bah, grâce à toi, je vais m'informer maintenant. Bah, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. MTT Football. MTT Football, abonnez-vous, les gars. Et bah, voilà. Mettez des likes. Merci beaucoup. La cloche. Merci beaucoup. J'espère que c'est cette prod. J'espère que c'est elle. Mais normalement, t'es censé kicker sur tout. Elle est pas connectée, wesh, gros. Ah, il s'en prend à son pote. Là, juste devant toi, je pense que là, il y a une cible potentielle. Le mec avec le short Bordeaux, là ? Non, juste en jean, là. Juste devant toi, là, en jean. Avec le t-shirt noir ? Bah, elle fait pas semblant de pas voir, oh là là. T'es pas motivé ou quoi ? Wesh. Tu peux avoir une vraie discussion avec quelqu'un qui est philosophe, et du coup, ça contre les arguments. Et non, ça fait une vraie, un vrai GT. Et le dernier philosophe que t'as rencontré, ouais. C'était qui ? Maël. C'était Maël ? Mais jamais de l'aide. Maël, le philosophe. Si, si. Allez. Donne-nous une moralité. Une moralité, juste là. Croyez en vous, faites attention, ne pouvez avoir confiance que en vous. Parce que la vie de ma mère, les gens, ils ont que des vices. T'as une proche, elle va mourir à un moment. Moi, je parle de ma mère et ma soeur. Enfin, je vais mourir avant ma soeur. Heureusement que ma soeur, elle sera toujours là. Ah, t'es à l'abri de rien, tu peux mourir là en te faisant écraser par le tram. Ouais, je sais. Qui sait ? J'ai déjà failli mourir. Pas très gay, ça. Hein. Ah ouais. On va parler d'autre chose. Connect. Alors là, il faut qu'il connecte. Fais pas des vidéos. Pourquoi ? Et vous faites les bagues, vous faites les ambiances ? Moi je sais pas faire aussi. Ah là 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 là, livrer lui-même. Moi je pense que là il y a une cible potentielle.
Sacha il y va, il fait l'éclaireur. Sacha se dégonfle, c'est Maël qui y va. Non, c'est lui qui a le micro, c'est toi. Déjà, on va commencer par la Coupe de France. Okay. Nantes a gagné, je veux tes impressions, ce que t'en penses, tout. Et franchement, moi j'étais à la fan zone déjà pour voir le match. Je me suis régalé, même si j'ai pas très bien vu le bas de l'écran parce qu'il y avait trop de monde. Mais en tant que, on va dire, plus neutre parce que je suis pas d'ici, le match techniquement c'était pas de la folie, mais en tout cas sur le plan des émotions c'était vraiment pas mal du tout. Sur le but de Blas, c'était vraiment n'importe quoi. Moi j'ai rarement vécu ça dans ma vie. Les frissons tout simplement. Contre Rennes, je veux tes impressions, pareil, ce que t'en penses. T'as vu le match ? J'ai pas vu le match, malheureusement, j'étais pas dispo pour le voir. Mais j'ai vu le résumé et puis j'ai vu surtout une remontée. Et ça c'est pas mal, on pouvait penser que les Nantais ils allaient un peu se relâcher. Ça n'a pas été le cas après la Coupe de France. Donc, et puis surtout Palois, la reprise est incroyable. Le stade Rennais en Ligue Europa avec le FC Nantes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un kiff ? Pourquoi pas ? Bah, passer, parce qu'ils ne seront pas dans les poules ensemble, mais un petit 8e ou un 16e, je ne sais plus si elle est 16e encore en Europa League, mais ouais. ça serait incroyable. Pourquoi pas, tiens ? Et bah tiens, pour finir, c'est le dernier match de la saison face à l'AS Saint-Etienne, qui est avant-dernier. On sait qu'une victoire nantaise reléguerait l'AS Saint-Etienne. Ouais, bah... Qu'est-ce que ça te fait ? Bah, je vois déjà Bordeaux en Ligue 2, je me dis, allez, pourquoi pas Saint-Etienne en Ligue 2 aussi ? Oh là, t'es méchant. T'es méchant, toi, hein ? Ah non, bah... Moi, c'est juste parce que, voilà, ça me ferait... Personnellement, ça me ferait assez rigoler, mais voir les monuments comme ça du foot français qui descendent en Ligue 2, c'est un peu triste. Ok. Surtout que Saint-Etienne, moi, Duprat, c'est un coach que j'aime, que j'apprécie... Ok. Que j'apprécie pas mal. C'est un bon modeur d'homme et j'aime bien la façon dont il parle, J'aimerais qu'ils réussissent à sauver Saint-Etienne. Après, je souhaite quand même une victoire de Nantes. Bah, le truc, c'est ça en fait. Parce que. Ah oui, voilà, c'est ça, forcément. Hein, le match 1, ça passera par une victoire face à la. Ils sont obligés de gagner. Ils sont obligés de gagner. Ou un match nul peut-être. Okay. Mais ça dépend du résultat des Messins face au Paris Saint-Germain. C'est ça, ouais. Bon. Alors, un dernier mot pour les supporters stéphanois s'ils descendent. Et bah, force à vous, les gars. Ouais. Et, vous remontrez et puis. Et puis j'espère que même au niveau de la structure, dans le club, les relations et les échanges se passeront beaucoup mieux et que le club sera pérenne. Ok, bah écoute, on peut le remercier. Ah ouais, merci à toi. Merci à vous. Très bonne intervention, je te remercie beaucoup. Ah, là tu l'as à Giroir. Écoute. Ah. Yo. Ah. Ok. Ça a commencé. Approche bien. Là tu l'as à Giroir. Ok. Ah, à vrai dire sur la route du succès je m'arrête pas même si je pilote une 44 bâchée. Je t'assomme sur la première mesure, peu fera dans les filets comme le Fenerbahçe. Dans un polide avec tous mes natchés, je cours après mes rêves donc mon gars fait nous pâcher. Marouane et Hamid m'ont dit jamais lâcher, l'autre fil à Giroir, tu reconnais le Ngaché. En pleine galère, poteau ou t'es, ça va payer très tôt ou tard. Y'a personne qui va nous faire douter, on veut les sommes et tout le total. On m'a dit que j'étais bouillant comme un hazy, je suis arrivé, ils ont tous mis soupape. J'écoute pas tes vieux sans poteau hashtag, je prends les devants, je me sens comme Paul Newman. Wow. Wesh, et je crois que bien ce qui m'arrive c'est le destin. J'ai donné ma confiance en ma destroy, c'est pour ça que le cercle il s'est restreint. Wow, wesh, en tout cas je vais pas leur faire un dessin. Faut faire gaffe à qui tu tends des deux joues. Faut que je me barre d'ici comme un clandestin. Ah, Marc la fin dit Christian Dior Vivi SE. La misère m'a touché mais je serai jamais un SE. Et quand c'était galère, j'appelais pas SOSE. Comme un asso, comme la SSE. Comme Ménaché, comme tous mes SE. J'ai les colères et j'ai les rages. J'ai rendu jeu comme un général. Nique tes rappeurs et c'est général. 19 balais, mais pas pour faire le ménage. J'découpe à prod en même temps, je les rase. Sur le périph', on a mis les gaz. Quand on arrive, nous parle pas d'âge. J'suis dans le truc et t'as capté le message. Et la vie m'a bafoué, donc j'suis dans ma folie. Bang bang, j'te conseille de fermer tes volets. À bord d'un volant, friend. J'vais pull up, t'es que mes gaulés. Personne te connaît. Tu fais le mec collant, t'es là pour gratter et sucer les mecs côté. J'arrive d'à côté. Mais je serai pas galant, je peux donner ma vie seulement pour mes associés. Wow, il reste de la place dans le coffre. Si tu vas à l'encontre de mes principes, j'étais sincère, j'ai perdu des potes. Tout est écrit, y'a rien qui coïncide. Je repense à mon passé dans la chop. Et à tous mes souvenirs qui s'y invitent. Je me dis souvent quand est-ce qu'on les choque. On attend, ils s'en appliquent. Ok. Merci la fin du Christian Dior Vivi SE.
La misère m'a touché, mais je serai jamais un SE. Ok, ok, ok. Et quand c'était galère, j'appelais pas SOSE. Comme un asso, comme la SSE. Comme Enache, comme tous mes SE. Ok, est-ce que c'était du lourd ou pas? Ah, mais du lourd ou pas, les gars? Est-ce que c'était lourd, les gars? Merci, merci. Ah, il est chaud.